Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux de partager un temps d'exhortation avec vous. Et pour ce fait, allons dans le livre de Luc, en son chapitre 19, le verset 1 à 10. Mais avant, prions le Seigneur. Roi de gloire, nous te bénissons et nous élevons ton Saint-Nom. Merci de nous faire porteurs de ton message, porteurs de ta parole en ce jour. Nous prions que ta grâce nous aide à communiquer ce que tu veux communiquer à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous avons choisi le texte de Luc chapitre 19, versets 1 à 10, pour partager avec vous une exhortation qui a pour thème « Comme le sycomore ». Nous reprenons le thème pour que quelqu'un puisse le retenir « Comme le sycomore ». Lisons d'abord le texte. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Parole du Seigneur. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous avons choisi cette portion de la parole de Dieu, de la Bible, pour parler du sycomore. De quoi il s'agit exactement? Dans son ministère terrestre, le Seigneur Jésus a parcouru plusieurs villes. Et la Bible dit qu'il est arrivé dans une ville qu'on appelait Jéricho. À Jéricho, nous savons tous qu'il a guérit l'aveugle-né qui était Bartimée. Et après avoir guéri Bartimée, la Bible dit qu'il est rentré dans les profondeurs de la ville Jéricho, qui est l'endroit où il fait bon vivre. Mais dans cet endroit où il fait bon vivre, il y avait un monsieur qui s'appelait Zachée. La Bible le décrit comme le chef des publicains. La Bible dit que ce monsieur était court. Il était court de taille. Alléluia! Je vais insister sur ce mot pour que tu puisses comprendre le thème que je vais aborder tout à l'heure. Gloire à Jésus. Je sens que ça fera du bien à quelqu'un. Suis-moi attentivement. La Bible dit que quand il rencontre Zachée, d'abord Zachée avait des difficultés pour pouvoir voir Jésus. Parce qu'il y avait une foule. Il y avait de nombreuses personnes. Et la Bible dit que Zachée court. Il voit un sycomore. Et la Bible dit que Zachée se met sur le sycomore. Et Jésus le répète, par la grâce de Dieu, la vie de Zachée change. L'homme qui n'avait pas la paix du cœur, malgré ses biens, l'homme qui était dans les difficultés, on va dire, de vie, l'homme qui avait tout, avait le pouvoir social, avait des rangs, mais n'avait pas la paix du cœur, a reçu Jésus dans sa maison, a reçu Jésus dans son cœur, s'est repenti et a reçu la grâce du salut. Gloire à Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons parlé du thème qui est comme le sycomore. Le sycomore, c'est un arbre, un grand arbre. Mais la particularité du sycomore, malgré sa taille, il a des branches qui sont déjà en bas de sa tige. Des branches où quelqu'un peut s'arrêter là-dessus pour avoir une hauteur, pour avoir de la taille. Et la Bible dit que ce monsieur Zachée, ayant des difficultés pour apercevoir Jésus,
est monté sur une branche du sycomore et Jésus l'a libéré. Frères et sœurs, comme le sycomore, qu'est-ce que nous pouvons retenir aujourd'hui pour nous aujourd'hui? Frères, le sycomore était un arbre, mais le sycomore aujourd'hui peut représenter l'Église. L'Église qui doit être la base, l'Église qui doit être le support pour tout être humain qui recherche Jésus. L'Église doit être comme le sycomore sur lequel Zachée est monté pour prendre appui, pour prendre de la hauteur afin de voir Jésus. Est-ce que l'Église aujourd'hui joue son rôle de sycomore? Est-ce qu'aujourd'hui l'Église peut être comparée à ce sycomore? Le sycomore était là présentement à une place bien précise pour que Zachée puisse découvrir Jésus. Est-ce que l'Église aujourd'hui permet que les gens découvrent Jésus? Est-ce que l'Église est le support sur lequel les gens peuvent s'arrêter, les gens peuvent compter pour prendre la hauteur afin que Jésus les repère? Frères et sœurs, chacun de nous pourra répondre à cette question à la fin de l'exhortation. Mais je veux te dire, Église, ton rôle, c'est de faire en sorte que tu sois un support comme le sycomore. Ton rôle, c'est de faire en sorte que quelqu'un prenne appui sur toi, quelqu'un monte sur toi pour rencontrer Jésus et pour avoir le salut. La deuxième chose que nous avons comme enseignement, parlons de comme le sycomore. Le sycomore est un serviteur effacé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes appelés à prêcher la parole de Dieu, nous qui sommes les serviteurs, les servantes de Dieu, les conducteurs, les prédicateurs, les catéchistes, les pasteurs, tous les chrétiens de ce monde, aujourd'hui, est-ce que nous sommes comme le sycomore effacé? Voici un serviteur, quelqu'un, quand on prend ce texte, dans le livre de Luc chapitre 19, 1 à 10, généralement, les gens parleront de ce que Jésus a fait. Les gens parleront de ce que la foule a dit sur Zachée. Les gens parleront de Zachée. Mais personne ne fait attention à ce sycomore. Personne ne parle de ce sycomore. Ce sycomore était comme un serviteur. Effectivement, un serviteur effacé. Un serviteur sur lequel Zachée est monté pour voir Jésus. Est-ce que nous, en tant que serviteurs, est-ce que nous, en tant que servants de Dieu, nous amenons les gens à Jésus ou nous amenons les gens à nous? Sycomore, serviteur effacé. Est-ce qu'après un temps glorieux, est-ce qu'après que Dieu nous ait utilisés pour faire son œuvre, pour faire en sorte que quelqu'un soit béni, est-ce que nous sommes effacés? Le sycomore a fermé sa bouche. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je veux te poser une question. Le sycomore est un serviteur pour Zachée, un serviteur que Dieu a utilisé. Car la Bible dit, Dieu utilise qui il veut pour faire son œuvre. Le sycomore est un serviteur de Dieu, un serviteur effacé. Est-ce que le sycomore a demandé une offrande extraordinaire à Zachée après qu'il lui ait rendu ce service? Non, le sycomore ne pouvait pas parler. Le sycomore était effacé. Frère, toi qui es serviteur de Dieu, toi qui es évangéliste, toi qui es prophète, toi qui es ceci, qui es cela dans les dimensions glorieuses, je veux te dire aujourd'hui que ce que le Seigneur recherche, il veut des serviteurs, des servantes inutiles, des serviteurs qui savent que c'est la grâce de Dieu qui leur permet de faire des choses. Voici pourquoi, après que le Seigneur les a utilisés pour faire des miracles, ils sont effacés comme le sycomore. Le sycomore n'avait pas de bouche pour parler, pour réclamer une offrande, une grandiose offrande. Le sycomore n'avait pas de bouche pour pouvoir rechercher les honneurs. Ce sycomore était effacé. Serviteurs de Dieu, nous devons être effacés comme ce sycomore. Gloire à Jésus. J'espère pouvoir parler au cœur de quelqu'un. J'espère pouvoir parler au cœur d'un serviteur de Dieu pour qu'il soit comme le sycomore. Un arbre que le Seigneur a utilisé comme serviteur. Pour servir à la cause de Zachée, pour amener Zachée au salut. Dans nos prédications, est-ce que nous amenons les gens à Jésus ou nous amenons les gens à nous? Zachée avait besoin du sycomore. Zachée avait besoin du sycomore. Le sycomore s'est laissé comme un bon serviteur, s'est laissé utiliser par Zachée. Et le sycomore en griffe a amené Zachée à Jésus. Est-ce que nous envoyons les gens à Jésus ou nous envoyons les gens à nous? Pour notre propre gloire. Frère, je ne suis pas un donneur de leçons. Je suis venu te dire ce que le Seigneur m'a mis à cœur de dire. Comme le sycomore, sois effacé. Que la gloire revienne à Jésus.
Mon troisième enseignement pour terminer cette exhortation, bien-aimés frères et sœurs, le sycomore, la reconnaissance de la Bible. Alléluia. Le sycomore, la reconnaissance de la Bible. Bien-aimés frères et sœurs, ça pouvait être un mendiant, ça pouvait être un avocatier, mais ça a été un sycomore. Si les gens ne reconnaissent pas ce que tu fais dans ton église, si les gens ne reconnaissent pas ce que tu fais dans ta famille, si les gens ne reconnaissent pas ce que tu fais dans ton quartier, ce n'est pas bien grave. Le sycomore, aujourd'hui on parle de lui. On parle de lui parce que quand je préparais le message, le Seigneur m'a dit de parler du sycomore. La reconnaissance de la Bible. La Bible est reconnaissante au sycomore. La Bible mentionne le sycomore. Bien-aimés frères, attendons-nous à une reconnaissance, pas des hommes, mais du ciel. Que notre reconnaissance vienne du ciel. Aujourd'hui, nous parlons du sycomore. Le sycomore qui était toujours effacé. Le sycomore qui était un serviteur inutile. Le sycomore qui a envoyé Zachée à Jésus. Aujourd'hui, nous parlons du sycomore. Que la reconnaissance que tu attends te vienne du ciel. Je veux t'encourager, serviteur de Dieu. Je veux t'encourager, servant de Dieu. Continue à bosser pour le boss. Continue à travailler avec abnégation. Ce que tu fais dans la maison de Dieu, fais-le. Ce que tu fais pour ta famille, fais-le. Ce que tu fais pour tes frères, pour tes soeurs, pour tes amis, continue de le faire. Car là-haut, dans le ciel, il y a une récompense qui nous attend. Là-haut, dans le ciel, il y a une récompense qui nous attend. Si on ne cite pas ton nom dans les grands événements, si on ne cite pas ton nom pendant les témoignages, ce n'est pas bien grave. Ta récompense vient du ciel et c'est la meilleure récompense. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse quelqu'un, un serviteur, un servant de Dieu qui nous écoute encore en ces jours afin qu'il soit comme le sycomore, un serviteur comme l'Église doit être. Le sycomore, un serviteur effacé. Le sycomore, un serviteur qui compte sur la reconnaissance du ciel. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide à aller en eau profonde avec lui. Gloire à Jésus. Amen. Prions le Seigneur ensemble. Roi de gloire, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci de nous avoir inspiré ce thème comme le sycomore. Tu nous as donné trois enseignements ce matin et nous prions que cet enseignement puisse toucher le cœur d'un frère, puisse toucher le cœur d'une sœur, afin que, Père, l'Église se réveille aussi comme le sycomore. L'Église soit une base, un support comme le sycomore, afin que les serviteurs, les servants de Dieu soient comme le sycomore, effacés. Et enfin, que ces serviteurs, ces servants de Dieu, que tous ces chrétiens qui parlent de toi partout soient reconnus dans le ciel comme de véritables serviteurs. Merci Seigneur de ce que tu touches le cœur des gens, afin que nous tous ensemble, nos vies changent à travers cette exhortation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, merveilleux, puissant, glorieux, en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh.